Les taekwondoïstes béninois sont soumis à diverses épreuves durant cet examen. Après l'échauffement, ces athlètes se sont illustrés au poumsé, à la combinaison, puis au cérémonial des salutations. L'examen de passation de grade intermédiaire était abordable selon les athlètes. Cette fin d'épreuve, on a fait les poumsés, les blocages, les attaques et défenses, les associations d'attaque et défense. C'était assez bien. Je pense m'en sortir. Ce sera la ceinture blanche de 2 barres jaunes. L'évaluation des athlètes s'est basée sur les règles et critères internationaux. C'est un examen qui concerne les ceintures intermédiaires qui, chez nous, vont de la ceinture blanche à la ceinture rouge. Nous avons toutes les associations et tous les clubs du littoral qui ont envoyé leurs élèves pour participer à cet examen aujourd'hui. Donc. Mes attentes, c'est d'évaluer le niveau des pratiquants du littoral. Parce que comme vous le savez, la Ligue du littoral vient d'être créée. Avant, nous avions Atlantique Littoral, mais aujourd'hui, nous avons séparé ces deux entités pour avoir la Ligue du littoral à part. Et notre premier travail à la Ligue du littoral, c'est de faire une évaluation technique des pratiquants pour savoir comment accompagner les associations et les clubs et faire monter en compétence les pratiquants dans le littoral. Nous sommes obligés aujourd'hui de faire une application rigoureuse des textes régissant les passages de grade et de nous aligner sur ce qui se fait au plan international. Dans le souci d'assurer une bonne relève au taekwondo féminin béninois, la gent féminine est également présente. Oui, c'est déjà un grand pas. C'est vrai que ce sont des examens pour le passage de grade. Donc ça leur permettra de se mettre au pas, de voir comment est-ce qu'elles pourront faire pour qu'à l'avenir, elles puissent relever le défi. Et on a aussi des championnats nationaux bientôt auxquels elles auront à participer. Et au fur et à mesure elles auront à participer, elles auront plus d'expérience et on aura une bonne relève féminine. Sous la conduite des maîtres taekwondoïstes, cet examen a tenu toutes ses promesses. La persévérance, le contrôle de soi et surtout le courage sont recommandés aux athlètes pour qu'ils deviennent les futurs champions du Bénin.